Et bonsoir très cher CNN. Et bonsoir Oxido. Alors moi je viens d'arriver, je vois que on est prêt à partir. Ça va commencer pour ce run de Quickie World. Quickie World donc, comme on l'a expliqué un peu tout à l'heure, si vous étiez là, vous l'avez un peu déjà entendu, un ROM hack de Super Mario World, construit par Valdio, qui est un runner, mais aussi un créateur de ROM hack de Super Mario World. Pour ceux qui ne connaissent pas les ROM hack de Super Mario World, en gros, c'est comme Super Mario Maker. Voilà, hein, ça, on va faire simple. Ouais, c'est un peu critique, mais Super Mario Maker, en plus, a redonné vraiment une seconde vie à la communauté ROM hack de Mario. Et ça commence sur les chapeaux de roue, puisqu'on enchaîne immédiatement des sauts de folie. Vous voyez un peu à quoi ça va ressembler, hein. Ça va être des... Oh là là ! Les deux runners qui meurent exactement au même endroit. Incroyable. Ouais. Le premier, c'est Quickie World, c'est un jeu qui est fait un peu en... C'est pas un didacticiel, mais c'est quand même un jeu qui se veut vraiment destiné aux débutants. Vous aussi, chez vous, vous pouvez essayer de finir ce jeu. C'est pas un remac de l'enfer. Et notamment, le premier niveau, il est là pour apprendre vraiment à le nuancier de Super Mario World, qui est très particulier. Parce que tant que tu maintiens le bouton de saut, tu chutes plus vite. Et tout ce niveau, tout premier niveau là qu'on est en train de voir, du coup, de revoir à droite, est basé là-dessus. Vraiment, c'est relâcher le bouton de saut, réappuyer, relâcher, réappuyer pour doser sa vitesse de chute. C'est un premier niveau qui est assez intéressant au final quand on le fait. À gauche d'ailleurs, chez Glitchcat à gauche, on a vu la mécanique qui consiste à utiliser le bullet bill, à devoir conserver le bullet bill jusqu'au bas de l'écran, hein, jusqu'à un certain moment pour pouvoir rebondir dessus. Ça va être très utilisé cette technique là. Alors après, par contre, je rebondis sur ce que tu disais que c'était un didacticiel. Oui, c'est vrai, il est fait ce ROM hack pour comme une espèce d'introduction à la disons au ROM hack dans le style Kaizo Mario, c'est-à-dire des ROM hacks très difficiles avec des tricks absolument impossibles à rentrer et où il faut réessayer 50 000 fois pour réussir à les passer. Mais en voulant quand même essayer de ne pas avoir tout l'aspect un peu trollesque qui peut exister dans les Kaizo Mario, notamment les blocs invisibles, etc. Ouais, il n'y a aucun bloc invisible dans celui-là, il n'y a pas de... Il est gentil ce jeu, on dirait pas comme ça, mais il est tout gentil. Alors après, par contre, toi, je crois avoir compris que tu as réussi à le finir. Ouais, je l'ai fait pour préparer le commentaire là. Ouais. Voilà, moi, pour vous donner une idée, je n'ai pas réussi à passer le premier saut. Ah. j'ai essayé pendant une heure. Bon, je me suis dit bon voilà, il faut accepter sa défaite. Ouais, après moi j'ai un amour pour les jeux, pour les platformers hardcore comme ça, donc il faut du skill, il faut du skill, hein, clairement. Un truc qui est assez particulier dans Quickie World, le nom le dit, hein, c'est que le jeu est fait pour aller vite, vraiment. Et on peut voir là pendant tous les premiers niveaux, les runners ne s'arrêtent jamais. Alors bon, les runners ne s'arrêtent jamais parce que bon, on est là pour aller vite, hein. Mais aussi parce que vraiment tout le level design est pensé pour te pousser tout le temps à courir. Moi au début, tu vois, par exemple, je me suis dit pour préparer le commentaire, bah c'est facile, je vais faire la safe state. À chaque fois que je passe un saut difficile, je fais une safe state et puis voilà, on n'en parle plus, quoi. C'est fait en une heure. Ah ouais, mais pas voilà, du tout, parce que dans ce jeu, t'as aucun moment pour poser une C7, quoi. T'es tout le temps en train de faire un truc. Ouais, c'est impossible de se reposer en fait sur une plateforme à un moment ou un autre, quoi. Il y a tout qui s'enchaîne avec un timing extrêmement précis. Et ne serait-ce que dans ces phases, par exemple cette phase de tour où il faut, enfin, de chute libre, en gros, tout va s'enchaîner de manière très très fluide et vous n'avez aucun endroit où vous poser, réfléchir, quoi. On va voir d'ailleurs une mécanique. La mécanique du shell jump, hein, pardon, je te coupais, mais la mécanique du shell jump qu'on va beaucoup retrouver, qu'on retrouve très souvent dans les Kaizo Mario, c'est le fait de prendre une carapace, de la jeter contre un mur et de rebondir dessus pour sauter le mur. Et évidemment, exercice très difficile. Ils sont en train d'adapter, parce qu'apparemment, il y avait un runner à gauche qui avait la caméra à droite, ils ont un peu bougé les écrans pour... Oh, alors qu'on vient de voir à gauche, du coup, c'était un peu perturbant parce qu'ils ont décalé les écrans, mais donc à gauche, Glitchat qui a tenté une strat, qui a fait un spring jump. C'est un peu le même délire que ce qu'on disait avec l'échelle jump, là, le fait de refaire un saut en l'air en utilisant un objet. Alors le shell jump, c'est tu le lances contre un mur et la carapace revient sous tes pieds et tu reviens dessus. Là, le spring jump, c'est tu lâches le ressort pile alors que t'as une bonne vitesse, que t'as la vitesse de chute qui va bien et ça permet de rebondir dessus. Et donc là, il a fait ça pour...
C'est une mécanique qu'on retrouve aussi avec les clés, je crois, ouais, de souvenirs, qu'il y a cette possibilité aussi. Et on va la voir chez Glitch 4. Regardez ça, regardez ça, regardez ça, ouais, regardez ça. Oh, dommage, c'est raté. Dommage, dommage. Mais bon, c'est tellement difficile, hein, évidemment. Et ça, c'est pas la strat. Ça, c'est pas la strat pour. C'est pas, voilà. Où était pensé, quoi. Là, et d'ailleurs, il va faire la strat normale, là, c'est-à-dire le fait d'amener ce petit fantôme sur la droite de l'écran et de rebondir par-dessus. Vous voyez, bon. Il a essayé de faire le beau jeu. Et maintenant, il fait la strat normale. On peut voir là à gauche, on l'a déjà vu, mais là on le revoit dans son part. Un truc, ce remake date de cette année. Hein, et, comme je disais, la scène remake s'est beaucoup, beaucoup développée, notamment grâce à Mario Maker. Elle existait déjà bien avant, mais Mario Maker a donné un second souffle. Et il y a des codes de Mario Maker qui ont commencé à se répandre. Et notamment, on peut voir dans pas mal de niveaux, on a un code couleur, par exemple, quand il faut faire un saut, des pièces jaunes pour t'indiquer qu'il faut faire un saut, des pièces bleues pour t'indiquer qu'il faut faire un spin jump, donc l'autre type de saut de Mario World, et des pièces colorées pour te dire, ben là, il faut lâcher la carapace pour faire ton shell jump, ou là, il faut lâcher l'objet en main pour faire un truc. C'est un petit peu le côté didacticiel, mais c'est un truc qu'on retrouve dans de plus en plus de remax, ça, pour prévenir pour orienter un petit peu, ouais. Niveau qui s'est très bien passé chez Glitch 4, du coup, le niveau du premier donjon, hein, de la première forteresse, du premier monde. Il y a deux mondes, hein, dans ce jeu, enfin, il y a deux mondes en N%. On va également faire le Secret World, puisqu'on est en 100%. Mais le Secret World, c'est pas forcément les niveaux qui sont les plus difficiles, bizarrement. Ça dépend. ils sont bien corsés, quand même. Et donc Glitch 4 qui va enchaîner avec le même niveau qu'on vient de voir, qu'on a vu juste avant chez Herbie Matchock, et qui se passe très bien. On arrive à l'Inferno chez Herbie Matchock. Vous voyez qu'on est déjà à 6 minutes, c'est quasiment déjà la moitié du run. Hein. Ça va très 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 vite. Et alors ça, c'est un niveau qui est très intéressant, où il faut utiliser, vous voyez, ces interrupteurs, hein, les switch on-off, pour maîtriser bien l'avancée du niveau, voilà, hein, notamment ces plateformes... Jaune pour changer le sachant que t'as pas besoin de re-appuyer dessus pour qu'elles se redescendent, mais si par contre elles redescendent à l'infini, donc il faut appuyer dessus pour les faire remonter. Et donc voilà, on prend l'escalier, on fait pas le fou et on réussit la fin du niveau chez Herbie Matchock, qui commence à prendre pas mal d'avance du coup. Là, un niveau Glitch 4 est un petit peu en galère. On arrive dans Yellow Dwarf, chez Herbie Matchock, avec une musique garantie. Oui, il faut le préciser d'ailleurs, comme c'est un remake, c'est pas le cas de tous les remakes, mais là en l'occurrence, toutes les musiques sont des musiques customisées, c'est-à-dire des... Ouais, bah, encore une fois, là, à mesure que la communauté évolue, maintenant de nos jours, il y a des trucs qui deviennent de plus en plus des prérequis, enfin des trucs qu'on attend des nouveaux remakes, donc la musique custom, le système de retry aussi qui est de plus en plus développé, oui. Il n'y a pas ça dans le Mario World de base, hein, mais il y a ça dans Super Mario Maker. Dans beaucoup de Kaizo Hack, maintenant on a le alors, système de retry. Ouais, tu veux parler de la fin du... Je te coupe, mais non, justement, j'allais te poser la question, parce que c'est un truc là que j'aurais dû te poser la question avant, mais c'est le truc que j'ai pas compris, en fait, dans ce run, et j'ai trouvé la réponse nulle part, en fait. Et ben en fait, c'est juste, c'est un troll du développeur, il a mis la ligne d'arrivée graphiquement un peu à droite, mais en vrai, la ligne d'arrivée, elle est un peu plus à gauche que ce qui paraît, donc en fait, t'arrives à la fin du niveau, tu te dis, ah mince, il reste un shell jump à faire, t'es tout stressé et tout, tu peux rater ton shell jump. D'accord, okay. Et moi, j'ai complètement raté mon shell jump la première fois que je suis arrivé ici, en fait... Et ça t'a validé quand même. Ok. Je comprends mieux pourquoi je ne comprenais pas ce qui se passait. Là, on va voir normalement un shell jump à gauche. En fait, normalement, on est censé perdre notre carapace à cet endroit-là, dans le level design prévu à la base. Mais il y a moyen avec un shell jump de la conserver. Et ça va permettre de faire un truc intéressant juste après. C'est-à-dire qu'on va pouvoir finir le niveau avec la carapace dans les mains, ce qui la transforme en champignon, et donc nous donne... pour le prochain niveau, en fait, on va pouvoir prendre un dégât sans mourir. Une assurance vie, quoi. De faire le fameux take damage, c'est-à-dire prendre un dégât pour foncer tout droit plutôt que de faire des obstacles. Donc là, c'est un tout petit peu cassé du level design. Après, vous verrez que ça fait gagner que très peu de temps, mais... Oui, c'est très léger, mais... C'est une assurance. Surfing Castle, donc... des petits rebonds sur... Ouh là là, d'accord. Okay, ah bah, je pense que c'est pas là qu'il aurait voulu prendre le dégât. Il n'utilisera pas le... C'est un peu plus tard.
Donc il va rattraper la scie, vous voyez, il remet, et voilà, il repasse là-dessus, hop hop hop, il passe à travers ici. Et en fait, c'est plutôt... voilà. C'est bon, c'est passé quand même. C'est plutôt en fait dans la deuxième partie du niveau hein, qu'il aurait, ouais, tout qu'il aurait voulu fin, prendre le... On le verra peut-être du coup chez Glitchcat. C'est un truc intéressant ça, les Kaizo Mario. Alors il y a beaucoup de définitions de Kaizo Mario, de ce que c'est qu'un hack Kaizo, ce que normalement Kaizo ça veut dire réarrangement. Enfin ça se traduit quasiment comme hack, comme remake. Ouais. Mais il y a une certaine psychologie derrière les remake Kaizo, et je voyais quelqu'un définir il n'y a pas longtemps les run Kaizo comme un hack difficile dans lequel tous les obstacles n'ont qu'une seule bonne façon d'être résolus. Ah ouais, et en fait, c'est pas vraiment le cas ça. Hein. Bah, en général, le level design prévoit qu'une seule façon vraiment d'être résolu. Mais c'est vrai qu'en speedrun, même dans ce genre de jeu, on trouve souvent un petit truc ou deux pour. C'est pas forcément toujours le cas. Et Kaizo Mario. Kaizo Mario, ça vient, oui, pour la petite histoire d'un remake justement qui s'appelait Kaizo Mario World il y a maintenant 10 ans, 12 ans peut-être. Et qui le premier avait justement mis en scène cette difficulté assez intense, un remake japonais. Et qui a eu plusieurs suites d'ailleurs. Et qui a instauré les codes qui sont repris encore de nos jours dans plein de remakes. Des codes qu'on verra pas forcément trop dans Cookie World, mais des niveaux, des types de niveaux qu'on voit un peu partout, des types de niveaux qu'on voit maintenant dans beaucoup de remakes, mais pas dans Cookie, qui se veut un peu plus gentil et du coup qui n'a pas repris les codes un peu, plus énervés, hein. Un peu seulement. Et donc on arrive sur la Rainbow Road du côté de Herbie Machoke. Est-ce qu'il va... Ah, dommage. Voilà. Là, il y a un bloc qui est censé te tuer normalement si tu le touches, sauf qu'en fait, tu peux atterrir dessus. Alors, je sais pas trop pourquoi tu peux atterrir dessus, mais normalement, ouais, tu peux atterrir comme il l'a fait. Et t'as un saut très 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 précis, moi j'ai pas réussi à le refaire, qui permet de sauter avec Yoshi sans mourir. Et du coup, à partir de là, il avale une carapace multicolore. La carapace multicolore, elle a les propriétés des trois carapaces dans Mario World. Donc de la carapace bleue qui permet à Yoshi de voler, et des autres carapaces pour lesquelles on s'en fiche, on s'en moque un peu. Ouais. Et du coup, bah après, il vole à travers tout le niveau avec sa carapace bleue. Quoi. Et oui, on peut d'ailleurs passer au milieu, on peut passer en dessous d'ailleurs aussi. On peut abuser en fait des limites du niveau, quasiment faire une sorte de out of bounds, bref. Peut-être que Glitchcat va le faire d'ailleurs. Est-ce qu'il va passer par en dessous? C'est possible. C'est-à-dire que voler dans un niveau où t'es pas censé pouvoir voler, bizarrement, oui. Ça permet de casser le level design. Et alors, chez Herbie Machoke, on arrive dans un niveau avec un design que j'aime beaucoup. C'est le dernier niveau, déjà. Et c'est le White Moth Lair, White Moth du nom d'un runner aussi de Romac Mario. Dommage. Du nom aussi du designer du Romac qu'on va voir juste après. Ah oui, qui est évidemment super Gracie World et que tu commenteras aussi, Sénène, si je ne m'abuse. Ouais. Et qui donc y a souvent des hommages comme ça qui sont dans les différents Romac. Il y a certains niveaux qui sont renommés en hommage à d'autres runners. Et voilà le petit passage en haut. Hein. Normalement, il y a deux petits trucs dans ce niveau. Le premier, c'est si t'arrives avec Yoshi sans mourir, sans le perdre, il y a moyen là où est Glitchcat de lâcher son Yoshi en fait pour éviter d'avoir à passer par les petits poissons. Ouais, j'avais vu cette stratégie. Et après, il y a ce deuxième skip ici. Alors qu'on voit le boss de fin côté Herbie Machoke qui est très similaire au bout de. Ah bah c'est complètement le bout de Mario World. Voilà. À part qu'il a la musique de Undertale. Oui, du demi de Undertale. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Et donc c'est gagné pour Herbie Machoke en 13-38. GG. Énorme GG à Herbie Machoke. Et donc on va voir le générique sur une musique délicieuse qui est What is Love, c'est ça? Ouais. Oh. Et donc, Mario a attrapé une maladie exotique infectieuse pendant qu'il était en vacances et il est mort. La princesse Peach est décédée de son cœur brisé, du chagrin, hein, quelques jours plus tard, en plongeant le royaume champignon dans le désarroi. Et Yoshi, lui, de son côté, a volé toutes les possessions de Mario et Peach et s'est barré et doit être retrouvé. Tout le monde l'a perdu de vue. Merci d'avoir joué, bien sûr. Le lore de Mario, toujours aussi fort. Yoshi, le fraudeur de taxes.
Yoshi le fraudeur. Et donc voilà les shoutouts à Glitchcat qui est en train de qui vient de runner le jeu, on a dit un Link Dead aussi qui est un gros runner, White Moss on en parlait, Pange Panga qui a runné Super Mario Sunshine un peu plus tôt dans la semaine, Dram 55 bien sûr, Dodeke, enfin, Toby Fox d'Undertale. Et smwcentral.net qui est le site hein, qui rassemble eh bien, la plupart des Romac. Tous les deux Romac Mario World et globalement tous les Romac Mario World qu'on a vu en GDQ se trouvent sur SMW Central. Et c'est déjà fini